Bonjour, bonjour tout le monde, bon, bon, bon vendredi. Euh, les euh, marchés qui sont euh, un petit peu à la merci euh, des euh, différentes news sur euh, le, euh, la guerre en Ukraine. On est à quelques minutes euh, une déclaration de Poutine qui a enflammé un petit peu le marché, surtout sur les indices, mais aussi sur les devises à risque. Donc euh, on va voir ça tout, euh, tout ça en graphique. Euh, Attention aux déclarations des Russes quand même. Quand il parle aux occidentaux, il parle aussi. Alors la déclaration de Poutine, c'était qu'il euh, y avait des changements positifs dans les négociations avec l'Ukraine. Alors bien sûr, tout le monde a envie d'y croire, mais attention, quand il dit ça aussi, euh, c'est euh, pas uniquement pour négocier, c'est aussi euh, pour montrer à euh, son opinion publique et à l'opinion internationale euh, qu'il fait des efforts et qu'il négocie et que donc si c'est, euh, si il peut, il pourra pas être accusé euh, d'être euh, la cause de l'échec des négociations, puisque lui euh, continue à discuter. Bon, euh, donc attention, il faut pas prendre ça au pied de la lettre. On espère tous que, bien sûr, c'est euh, positif, euh, mais beaucoup de réserves quand même euh, en attendant des euh, mesures euh, concrètes. Euh, autre chose, bien sûr, hier les chiffres de l'inflation ont amené le dollarien à un plus haut de 15 ans je crois et euh, donc euh, la BCE euh, qui a euh, été un peu plus hawkish, un peu plus faucon euh, sur les hausses de taux et ça a freiné euh, la baisse de l'eurodoll mais pas suffisamment pour l'instant pour renverser la tendance on voit tout ça en graphique avant ça l'avertissement sur les risques Donc je commence par habitude avec le euh, dollar, mais euh, ça va pas euh, beaucoup euh, nous parler. Euh, simplement donc cette hausse du dollar après la grosse baisse donc qui n'est pas euh, suivie euh, davant-hier donc ils sont dus donc à ces chiffres de l'inflation qui était très élevés. Euh, et donc qui ont euh, amené euh, surtout le dollarien qu'on va voir ici euh, à casser. Donc je vous l'avais dit hier c'est ou avant-hier, je ne sais plus, mais euh, c'est euh, la devise qui est la plus sensible au différentiel de taux d'intérêt. Donc, euh, on a cassé cette résistance à 116,36 dont je vous parle depuis longtemps. On a repris une dynamique cette fois-ci haussière. Après, c'était longue con consolidation, pardon. Et donc, on pourrait aller sur les niveaux de alors 118 dans un premier temps. Euh, si vous voulez calculer euh, l'objectif ça serait vous voyez la dernière jambe de hausse que l'on euh, dupliquerait et on aurait vous voyez on retrouve à peu près toujours la même zone 118 20 118 118 20, 118 66 au, au plus haut qui correspond au plus haut de 2016 alors à court terme donc signal haussier pour euh, les investisseurs de moyen terme, avec un stop qui se place par exemple euh, sous la bougie, euh, le chandelier d'aujourd'hui, si bien sûr on clôture de cette façon, ou alors sous euh, la euh, bougie ici, le dernier creux de marché. Bon, après, ça c'est vraiment pour les long-termistes, euh, si je puis euh, parler ainsi. Euh, sur, on regarde l'horizon de temps, une heure, c'est là où. Euh, L'autre solution pour les alors, ceux qui sont plus à court terme ou sur du swing training euh, c'est de trouver un point d'entrée. Euh, donc le point d'entrée, attention, le RSI est très suracheté en une heure, et donc euh, idéalement il faudrait euh, avoir voyez, un repli vers 11636, que 11636 tienne, et ensuite on pourra rejouer. Une hausse, vous voyez, vers les 118. Euh, donc, ça, c'est la solution qui serait presque idéale pour rentrer euh, sur le dollarien. Et dans ce cas-là, on mettrait le stop sous 116.36, on aurait un risk reward formidable. L'autre solution, c'est d'attendre que le RSI se dégonfle un petit peu pour rentrer et attendre une bougie verte. Parce qu'on peut très bien avoir une consolidation horizontale maintenant avant que ça reparte à la hausse. Euh, alors, bien sûr, le risque de tout ça, c'est effectivement que le dollarienne euh, aille direct euh, sur les plus hauts niveaux. Mais le problème, c'est que si vous êtes un, un day trader ou, ou un, court, un trader à court terme, euh, votre risk reward, là, il n'est pas, pas terrible pour pouvoir euh, rentrer euh, parce que euh, votre stop, vous allez le mettre en une heure sous. Euh, 115,80, donc ça fait quand même euh, 100 pips de gain, de risque pardon. Euh, alors c'est quand même euh, très élevé comme risque, surtout sur une devise comme le dollarienne qui n'est pas forcément la plus volatile. Voilà. Mais en tout cas signal acheteur. Il faut maintenant chercher le point d'entrée avec un objectif minimum à 118. leuro Alors leuro ce matin, j'ai fait un tweet avec qui disait que euh, la configuration à embêter prenait de, euh, prenait forme. Alors, c'était vrai parce que on avait c'est toujours vrai, mais un petit peu moins peut-être parce que on avait euh, une bougie rouge à ce moment-là. Mais la déclaration de Poutine a fait euh, à, 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 bien sûr amené euh, beaucoup d'acheteurs sur l'eurodoll, mais vous voyez que malgré cette nouvelle qui a été accueillie très positivement sur les indices boursiers, euh, sur l'eurodoll, les, les, les traders de change sont, sont beaucoup moins convaincus, euh, même si ça soutient, et en tout cas, euh, ça ne remet pas en cause euh, cette résistance à 1,1122 qui est essentielle pour la suite. Donc pour moi, tant qu'on est sous le plus haut d'hier, sous les 1.1122, euh, ce scénario de baisse en trois temps ABC, qui est classique sur les marchés, est toujours d'actualité euh, avec un objectif donc qui serait de revenir sur cette zone de support dont je vous ai largement parlé ces derniers forêts expresso, Donc je, je ne reviens pas là-dessus. Il est évident que plus la bougie ici sera rouge et plus ce scénario prendra de l'importance. Pour l'instant, on est sur une figure d'hésitation qui ne nous dit pas grand chose, mais ça peut évoluer beaucoup cet après-midi. Cet après-midi, il y a aussi un chiffre, il y a quand même le chiffre de la confiance des consommateurs de l'Université de Michigan. Donc qui peut peut-être faire un petit peu bouger les choses, mais c'est les informations sur l'Ukraine qui, qui risque euh, de euh, nous donner bien sûr euh, la direction du marché en tout cas je retiens toujours cette hypothèse de abc euh, malgré ce changement un petit peu de configuration du bougie de, du chandelier du jour euh, c'est pas suffisant pour euh, la remettre en cause le câble alors le câble est intéressant, je vous le disais hier, parce que nous sommes en plein sur une zone de support très importante et nous avons fait l'objectif de la cassure de cette configuration. Alors cette configuration, donc je vous avais donné à plusieurs reprises, je vous avais dit l'importance de cette moyenne mobile descendante à 200 périodes, qui a fait office de résistant à de multiples reprises. L'objectif, donc vous aviez ici un sommet une baisse, un, donc un creux et un sommet plus bas que le précédent. Alors ça, c'est une technique de trading qui est beaucoup aimée par un trader qui s'appelle Larry Williams, euh, qui, qui est un, tra un, un trader américain, euh, et donc il calcule son objectif de la manière suivante, et vous voyez que ça a parfaitement fonctionné, puisque on a euh, atteint l'objectif, ce matin, euh, à quelques pips près, euh, puisqu'on allait même un peu plus bas, et qu'on revient au-dessus. Alors, maintenant, cette zone de support euh, a l'air de tenir, malgré tout. Euh, ne tenez pas compte. Euh, alors, si, il faut en tenir compte, cette petite bougie, mais c'est une bougie d'hésitation, même si on a clôturé juste en dessous. Il aurait fallu que le lendemain, vous voyez, on casse le plus bas de cette bougie, et on ne l'a pas fait, on a eu un vif rebond. Une contre-attaque ici des baissiers. Mais euh, aujourd'hui, on a une figure qui s'apparente quand même, pour l'instant, à une figure de retournement en forme de marteau. Attention, donc, la clôture ce soir, en plus c'est une clôture hebdomadaire, peut être déterminante, euh, et surtout la configuration de la bougie du jour. Si on clôturait sous ces deux plus bas, par exemple, ça serait un signal baissier. Et l'objectif suivant est à 1,30 et 1,2857. A l'inverse, si on a une configuration euh, en, comme celle que l'on voit actuellement, il faudra attendre lundi une bougie haussière pour envisager un rebond qui pourrait aller vers 1,3358, par exemple, ou même cet, euh, cet ancien support ici, dans un premier temps, à 1,3270. On a vu le dollar yen, on a vu le câble, on a vu l'euro de d'autres paires de devises majeures sur les marchés, le dollar australien. Dollar australien euh, qui reste malgré tout dans une tendance haussière, mais je reviens pas dessus. J'ai donné l'explication hier de pourquoi c'était maintenant un petit peu moins euh, haussier que ces derniers jours. Donc, en donc, résumé, c'est. Euh, la hausse des matières premières qui a guidé cette euh, reprise et qui a donné de la force au dollar australien, elle aussi. Mais maintenant, euh, beaucoup de traders commencent à se poser la question, est-ce que euh, cette reprise des euh, matières premières ne va pas avoir un effet euh, ciseau C'est-à-dire que dans un deuxième temps, ça va plomber la croissance. Et comme la devise australienne est une devise à risque, elle va pénaliser le dollar australien aussi, on va voir. Euh, mais c'est vrai que vous voyez que maintenant, euh, on, on voit que ça progresse encore, donc on est toujours sur un biais haussier, euh, toujours avec un objectif à 0,75, euh, mais euh, ça va un peu moins vite, euh, notamment aujourd'hui. L'euro-suisse, donc là, je ne reviens pas euh, là-dessus, parce que c'est exactement la même configuration. Que euh, le, euh, le Rodol avec un scénario plutôt en abc pour l'instant tant qu'on reste sous les retracements de 61,8% et cette droite de support qui deviendrait résistance donc euh, tant qu'on reste sous 1,04 en gros 1,0360 pardon euh, sur cette zone ben bah, on reste baissier et encore plus sous cette moyenne mobile à 34 périodes et qui est aussi le retracement Fibonacci de 50% donc sous cette zone on reste euh, on va garder ce scénario en ABC même si on a une hausse euh, aujourd'hui euh, intense mais encore une fois la séance n'est pas terminée euro yen c'est la même configuration, la zone ici c'est sous 130 en fait à surveiller donc on peut très bien avoir un retour sur 130 avant de, de voir une nouvelle euh, baisse. Euh, le kiwi, cette résistance à 0,69 euh, ici, cette zone entre 0,68 70 et 0,69, euh, on bloque dessus à voir ce qui va se passer mais on n'a pas de figure de retournement encore suffisante pour repartir à la baisse et enfin le dollar suisse un petit peu plus haussier mais toujours dans son range euh, de long terme donc euh, vous voyez que bon il se passe pas grand chose c'est pas là dessus qu'il faut aller en tout cas pour faire du trading à mon avis et enfin le looney qui euh, le loonie, donc dollar contre dollar canadien toujours euh, soutenu par cet oblique haussière mais euh, une avancée pas très euh, pas très consistante, on va dire. Voilà. Euh, donc, en résumé, euh, ce que je, ce qu'on peut voir, c'est que euh, on a une amélioration du sentiment de marché euh, qui repose sur des déclarations. Donc, c'est très fragile. Ça amène beaucoup de prudence. On n'a pas cassé de niveau de technique qui nous permettrait d'en être très optimiste. Donc, attention à ce mouvement euh, qui pourrait se retourner aussi sec que euh, il s'est produit euh, et on pourrait avoir des dégagements à nouveau euh, sur les devises à risque euh, assez rapidement si jamais euh, on avait euh, euh, une dégradation de la situation euh, ces, ces, ces indications euh, de, euh, retour de l'optimisme sont quand même un petit peu euh, prématurés. Voilà. Ou en tout cas, euh, mérite d'être confirmé Donc, prudence. Voilà ce que je pouvais vous dire euh, pour cette semaine qui a été ajoutée. Les prochains jours le seront encore euh, su et focaliser certainement sur les développements Ukraine-Russie. La semaine prochaine, j'y reviendrai. On a quand même deux banques centrales, la Bosch et euh, la banque la banque du Japon donc et euh, la banque centrale américaine la fédérale réserve euh, Donc euh, on voit quand même que on recommence aussi à parler un petit peu d'économie et euh, de taux d'intérêt euh, depuis euh, hier avant-hier euh, et donc c'est ce que je vous disais c'est toujours les euh, développements financiers qui sur le long terme euh, conduisent normalement les euh, le marché d'échange. Voilà, je vous souhaite un très bon après-midi, de très bons trades et je vous dis à lundi, bon week-end.